Noël, justement, c'est dans 9 jours maintenant. Pour réussir ses fêtes et impressionner vos invités, il faut absolument bien choisir son sapin. Cette année, terminez l'artificiel, le sapin de Noël rime avec naturel. Reste un épineux problème, quelle variété choisir? Norman, Épicéa ou Nobilis, chacun a ses avantages. La star reste tout de même le Norman, car ses aiguilles résistent bien à la chaleur et mettent du temps avant de tomber, mais il est un peu plus cher que l'épicéa. Alors, je vous propose justement, eh bien, d'écouter ces conseils d'un expert recueilli par Baptiste Blic. Les gens recherchent surtout du sapin Norman, du Norman coupé en fait, parce qu'ils cherchent un beau sapin de Noël. Norman est bien touffu en général et il garde très bien ses aiguilles. Après, les épicéas classiques garnent beaucoup moins bien en fait, hein. Garnent beaucoup moins bien les aiguilles. Donc c'est vraiment ça que les gens cherchent en fait, hein. Les clients qui ont l'habitude d'avoir leur sapin de Noël naturel cherchent le Norman. Ensuite, il y a les gens qui viennent aussi pour avoir l'odeur. Donc, ils vont plus partir sur des autres variétés, sapin du Colorado, qui est du pungens, qui dégage une très forte odeur, ou du sapin Nobilis, en fait, en coupé.